C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fut pas noir. Et je le donne en 6 coups aux tailleurs les plus éclairés. Qu'est-ce que c'est que ceci? Vous avez mis les fleurs en bas? Vous ne m'aviez pas dit que vous les vouliez en haut. Bah, est-ce qu'il faut dire cela? Oui, vraiment. Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Ah, les personnes de qualité portent les fleurs en bas? Oui, monsieur. Oui. Voilà qui est donc bien. Si vous voulez, je les mettrai en haut. Non. Vous n'avez qu'à dire. Non, mais j'avais bien fait, vous dis-je. Croyez-vous que mon habit m'aille bien? Belle demande. Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus juste. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter une ringrave, est le plus grand génie du monde. Hein? Et un autre qui, pour assembler un pourpoint, est le héros de notre temps. Oui, mais la perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Tout est bien. Oh, monsieur le tailleur, mais voilà mon étoffe du dernier habit que vous m'avez fait, je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me sembla si belle que j'ai voulu lever un habit pour moi. Oui, bah, il fallait pas le lever avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Oui, donnez-le-moi. Attendez, cela ne va pas comme cela. J'ai amené des gens pour vous habiller en cadence. Et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Hola! Mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux personnes de qualité. Ah! Au garçon quelque chose pour boire. Comment m'appelez-vous? Mon gentilhomme. Mon gentilhomme. Voilà ce que c'est que de se mettre en personne de qualité. Non. Allez-vous-en toujours demeurer habillé en bourgeois et on ne vous dira point mon gentilhomme. Tenez, voilà pour mon gentilhomme. Oh, monseigneur, nous vous sommes bien obligés. Monseigneur. Monseigneur. Mais attendez, mon ami, si monseigneur mérite quelque chose. Et monseigneur n'est pas une petite parole. Tenez, voilà ce que monseigneur vous donne. Oh, monseigneur, nous allons boire tous à la santé de votre grandeur. Votre grandeur. Votre... Attendez, nous en avez point. Ah, votre grandeur à moi. Ma foi, si, ben, jusqu'à l'altesse, il aura toute la bourse. Tenez, voilà pour ma grandeur. Oh, monseigneur, nous la remercions très humblement de ses libéralités. Il a bien fait. Je lui allais tout donner. Mm-hmm.